Alors, les matases sont mal typées. Le cas de l'exercice 2, où on voit les problèmes du fait d'appeler de la même manière deux choses différentes. Je m'explique. On a l'habitude de prendre des fonctions, prenons de R plus dans R plus, qui a x associé x au carré, sans qu'on prend un élément, ben c'est un simple élément, et cet élément 2 va se transformer en 4 par F, et 0 en 0 par F. Pas de problème. Mais on a rajouté maintenant une autre application qui est l'application ensemble image et on la note pareil, on la note avec F. Alors moi j'ai mis des couleurs différentes pour vous montrer que c'est différent dans la tête des matheux. Et c'est quoi cette application? C'est une application qui ne prend plus un élément mais un ensemble de ces éléments. Donc on part des parties de R+. Et cet ensemble d'éléments, eh bien, on va le transformer un autre ensemble qui est la famille des images, d'accord? L'ensemble des images des points 2. Et donc ça, c'est l'application ensemble images. C'est une application comme F, en fait. C'est juste qu'elle est différente. Alors, approprions-nous là. Son élément de départ, ce n'est pas un réel, c'est un sous-ensemble des réels. Donc, ça peut être par exemple l'ensemble qui a le réel 0 et le réel 2. Et l'application image, ben, ça va être j'ai mis une parenthèse, f de cet ensemble. Et donc, c'est l'ensemble des images. Et donc, là, dans ce cas-là, c'est f0, f2. Donc, on peut faire un petit dessin, je vous le conseille, parce que ça va se compliquer. C'est un sachet, et dedans, j'ai le réel 0, le réel 2. Et cette application grise, f, l'application ensemble d'images, transforme ce sachet en un sachet qui contient 0 et 4. À ne pas confondre avec l'application qui transforme un réel 2 en réel 4 et un réel 2 en réel 0. OK? Donc c'est bien différent. Ce qu'on note deux fois f est bien différent. Et il faut faire attention. Les ensembles, attention, ce n'est pas forcément que des ensembles finis. Si je prends l'ensemble continu, le segment qui va de 0 à 2, ben c'est un sachet avec une infinité. Une très grande infinité de nombres qui vont aller de 0 à 2. Et ben, l'application ensemble d'images du segment 0,2, ben, ça va être l'ensemble de toutes ces images. Hein. On prend la définition et on va voir, ben, 0 se transforme en 0, 0,1 se transforme en 0, 0,1. Le 0,1 est là, il a sans doute un antécédent. Et donc on voit que je peux avoir des ensembles continus. Alors attention, dès qu'on passe à des ensembles continus avec des infinités, il y a beaucoup de choses surprenantes. Si vous prenez cette application-là, vous pouvez montrer qu'elle est injective, c'est-à-dire que je n'ai pas deux points qui se transforment dans le même point, et qu'elle est surjective, c'est-à-dire que l'ensemble de départ, R, se jette entièrement sur l'ensemble d'arrivée, R+. Eh bien, figurez-vous que si c'est injectif et surjectif, alors j'ai une bijection. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si je prends le segment 0,2, ça veut dire qu'entre chaque élément de segment 0,2, j'ai un élément de 0,4 qui lui correspond. Je suis en train de dire qu'il y a autant d'éléments entre dans le segment 0,2 que dans le segment 0,4. Et oui, c'est surprenant. Dès qu'on va à l'infini, il y a des choses surprenantes qui arrive et on va utiliser nos définitions de injection-bijection. Et pour dire que deux ensembles sont pareils ou qu'il y a le même nombre d'éléments, on va utiliser une bijection dans l'infini. On ne peut pas compter les élèves dans une classe. Quand j'ai une infinité d'élèves, je ne peux pas les compter. Donc si je veux savoir si j'ai autant d'élèves que de chaises, ben, je fais asseoir les élèves sur chacune des chaises. Et ben, voilà. Si j'ai une bijection unique entre les chaises et les élèves, ça veut dire qu'il y avait autant d'élèves que de chaises. L'exercice 2, ça se corse. Il y a un joli corrigé que l'on vous donne. L'exercice 2, ben, l'application, ce n'est pas une bête application avec des éléments simples. C'est une application qui prend les sous-ensembles des entiers et qui transforme un ensemble d'entiers, pardon, un ensemble d'entiers à un ensemble d'entiers. Donc ça, y est, on commence à faire de l'abstraction et à dire, oui, c'est bien joli, la terminale, le lycée, les fonctions de réel,
Mais on va avoir des objets de plus en plus compliqués. Et je fais des fonctions d'ensemble. Pourquoi pas, j'ai droit. Et je fais donc pas des fonctions, donc des applications, excusez-moi, des applications d'ensemble. Donc là, l'application qui a l'ensemble A associe, transforme l'ensemble A entre l'union de l'ensemble A avec l'ensemble qui contient l'élément 1. Et là, il faut faire gaffe parce que cette différence-là entre un F, ou quand je vois F de 2, ben je comprends que c'est le F bleu, mais quand je vois le F de singleton 0,2, je comprends que c'est le F gris, et bien là, ça va se corser. Puisque j'ai une application psi qui prend un ensemble des entiers naturels, donc du sang, par exemple, un 4, 3, et qui va lui associer l'ensemble avec l'union 1, mais là, c'est un cas particulier, c'est le même ensemble. Donc il y a cette application-là, mais j'ai aussi l'application ensemble image 2. Et donc celle-là, elle est définie comment? C'est l'application qui va prendre ici quoi? Un élément des parties de n. Ça veut dire quoi? N, c'est les entiers naturels. P de n, ça veut dire que je prends un ensemble des entiers naturels. Et F, c'est un ensemble d'ensembles d'entiers naturels. Donc là, j'ai besoin de dessiner. Par exemple, je peux avoir l'ensemble qui contient l'ensemble A dont j'ai parlé, mais qui contient aussi un ensemble vide ou l'ensemble qui contient en quoi va-t-il se transformer? D'accord? Donc là, on commence à faire l'abstraction et il faut absolument tomber sur les définitions, sinon on ne s'en sort plus. Donc, si l'application image d'un ensemble, ben c'est l'ensemble qui contient tous les psi de A, à condition que A soit un élément de F. Donc, il faut que A soit un élément de F, donc il faut que A soit un ensemble de N. Et donc là, je peux y arriver, je peux faire ma transformation, je peux appliquer ma transformation psi qui transforme ce A en ce A. Le psi de l'ensemble vide, eh bien, je ne sais pas en quoi il se transforme. Il se transforme en élément 1, on le montre ici. Si je prends l'ensemble vide, c'est-à-dire un sachet vide, eh bien, je vais le transformer en, je prends la définition au mot, ben, l'ensemble vide, union, l'ensemble qui contient l'élément 1. Donc l'union de ces deux sachets, c'est le sachet avec 1, c'est le singleton 1, c'est l'ensemble qui contient 1. Donc ce phi va se transformer avec l'application psi bleu, il va se transformer en, l'ensemble vide va se transformer dans le singleton 1. Le singleton 1 se transforme aussi dans le singleton 1. Donc je vois que je ne suis pas injectif, j'ai deux images là. Donc si je résous l'équation gramme psi de singleton 1, pardon, gramme psi de x égale le singleton 1, je vais avoir plusieurs solutions ici. Pardon, je vais m'effacer le truc. Et donc, je ne suis pas injectif. Et l'ensemble A se transforme dans cet ensemble-là. Donc, c'est des sachets de sachets qui vont se transformer en sachets de sachets. Donc, ça devient un peu plus abstrait. Mais comment je vais faire pour reconnaître si je parle du psi bleu, mon application qui transforme un ensemble en ensemble, ou du psi gris qui transforme des ensembles d'ensemble en ensemble d'ensemble, en ensemble des images. Typiquement, la question du sujet, mais si on vous demande psi bleu de l'ensemble vide, qu'est-ce que ça donne? Bon, mais ça, on l'a calculé, psi bleu de l'ensemble vide, on a pris la définition. Psi en de l'ensemble vide, ben c'est le singleton 1. D'accord? Donc je vais pouvoir écrire ici que c'est le singleton 1. Ah, pardon, je suis en pointillé, mais c'est bon, vous l'avez compris, c'est le singleton 1. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, j'ai pu l'écrire parce que mon ensemble vide est bien. Dans la règle du jeu, il est bien élément des parties de n. Est-ce que j'ai le droit de parler du psi gris de l'ensemble vide? Ça veut dire, est-ce que l'ensemble vide, est-ce que je peux le voir en rose? Est-ce que je peux voir l'ensemble vide comme un ensemble d'ensemble de n?
À ce moment-là, est-ce que je peux voir ça comme un ensemble de départ et trouver une image? Ça, je vous laisse réfléchir. Et il y avait une deuxième question qui est le psi bleu de l'ensemble avec un simple ton vide. Ben, est-ce que je peux voir le simple ton avec l'ensemble vide, donc l'ensemble de l'ensemble vide? Est-ce que je peux le voir en orange? Est-ce que je peux le voir comme un élément des parties de N, c'est-à-dire un sous-ensemble des entiers naturels? Si oui, je dois pouvoir le calculer. Et est-ce que je peux le voir, ce singleton de l'ensemble vide, est-ce que je peux le voir en rose, et appliquer le psi gris dessus, le voir en rose, est-ce que je peux voir l'ensemble qui contient l'ensemble vide comme un ensemble d'ensemble, un P de N? Je vous laisse réfléchir, faites la pause sur la vidéo, essayez de remplir ça, et juste après, ben vous faites la pause et on va chercher les réponses. Alors, maintenant, si vous reprenez, donc on a répondu à cette question, oui, l'ensemble vide, je peux le voir en orange, comme donc un ensemble d'entiers, c'est l'ensemble qui n'a pas d'entier. J'applique ma définition et donc ici, ben, j'ai l'union de, je vais éviter d'écrire en pointillé, j'ai l'union de l'ensemble vide, union, le singleton 1, l'ensemble qui contient 1. Et donc ça, c'est bien égal à un ensemble bleu foncé de l'espace d'arrivée. Un élément de P de N, c'est-à-dire un ensemble d'entiers. Maintenant, est-ce que je peux voir l'ensemble vide comme le singleton de l'ensemble vide comme un élément de P de N? Donc, il faudrait que je le voie en orange, et donc je vois ça, élément des parties de N, c'est-à-dire un ensemble d'entiers. D'accord? Ça veut dire c'est un ensemble d'entiers, hein? Je vous rappelle à la définition E élément de P de N, dire que E est inclus dans N, c'est donc un ensemble d'entiers. Mais là, c'est mal typé. L'ensemble vide n'est pas un entier, ne comprenez pas avec zéro. L'ensemble vide n'est pas un entier. Donc, ça n'est pas un élément, attention, ne faites pas la confusion, l'ensemble vide est inclus dans l'ensemble des entiers naturels, mais ça n'est pas un élément des entiers naturels, ce n'est pas un nombre. Donc là, ça c'est mal typé, je ne peux pas répondre là-dessus, j'ai qu'une interprétation unique qui serait bonne de ce psi de l'ensemble phi, c'est qu'on parle du psi gris, c'est-à-dire l'ensemble image de l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Alors lui, pour le calculer, ben on va vérifier quand même que l'ensemble qui contient l'ensemble vide est bien élément des parties de N. Est-ce que c'est un ensemble d'ensemble de N? Oui, ça c'est élément de l'ensemble des parties de N. Parce que ça, dire que le singleton vide est élément de P de N, ça veut dire que le singleton vide est inclus dans les parties de N. Donc, est un sous-ensemble de N, et ça veut dire que l'ensemble vide est inclus dans N. Et ça, c'est toujours vrai. Donc, oui, je peux l'appliquer, elle est candidate, on ne me demande pas n'importe quoi. À ce moment-là, pour le trouver, il faut que je passe au prédicat et que je me serve de ma définition. Donc, sur une copie, mettez toujours la définition contextualisée. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'ensemble. Donc, l'ensemble des images. C'est l'ensemble des psi d'ensemble, tel que cet ensemble est un élément de du singleton avec l'ensemble vide. Ça, c'est par def. Ensuite, moi, je vous conseille de passer au prédicat
et de dire, par exemple, ben, dire que psi 2 est élément, alors, ce psi, il est bleu, hein, on parle de l'application. Donc, dire que ce psi 2 est élément de ce psi de l'ensemble vide, c'est équivalent à dire que E est élément de l'ensemble vide. Et donc, du coup, ben, ça veut dire, si E est élément de l'ensemble vide, ça veut dire que E est égal à l'ensemble vide. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que psi de E, c'est psi de l'ensemble vide. Et psi de l'ensemble vide, le psi bleu, hein, ok, ce psi bleu, on l'a calculé, le psi de l'ensemble vide, c'est le singleton 1. Donc on dit, ben, si j'ai un élément de ça, de cet ensemble, c'est le singleton 1. Donc c'est égal à l'ensemble qui contient le singleton 1. Si on monte plus haut, donc si de l'ensemble vide c'est lui, eh bien ça veut dire que je vais pouvoir appliquer mon application psi bleu. D'accord? Mon application psi bleu, je l'applique à l'ensemble vide. On l'a calculé ici, c'est l'élément, c'est l'ensemble E. Voilà, je voulais bien pointiller, mais c'est donc un sachet qui contient le sachet avec l'élément. Hein, donc c'est le singleton, singleton de E. Donc celui-là, on a pu le calculer. Eh bien là, j'ai ambiguïté et ça a été oublié dans le corrigé. Quand je demande psi de 0, est-ce que psi gris de l'ensemble vide rose existe? Ben, la question que l'on se pose, est-ce qu'on aurait pu me demander ça? L'ensemble image de l'ensemble vide par psi. Ben, la question, c'est est-ce que psi peut être rose? Ça veut dire est-ce que psi peut être. Psi, pardon, est-ce que l'ensemble vide peut être vu comme un sous-ensemble des ensembles de n, un élément des parties de n. Et ça, la réponse est vraie, puisque l'ensemble des parties contient toujours l'ensemble vide. D'accord? Donc là, ça veut dire, est-ce que psi est inclus dans P de n. D'accord? Et ça, c'est vrai tout le temps. Donc, je dois pouvoir appliquer la psi grise dessus. Et là, on part avec toujours avec l'ADEF. D'accord? Et donc, on va dire que psi de l'ensemble vide est élément de l'application image de l'ensemble vide, d'accord, que j'aurais dû mettre en rose ici, mais c'est équivalent à dire que l'ensemble vide est élément de cet ensemble de départ. L'ensemble vide est élément de l'ensemble vide. Or, ça, c'est faux. D'accord? L'ensemble vide n'est pas élément, il est inclus, je vous rappelle. Donc c'est faux. Donc ça veut dire qu'il est faux de dire que psi de 0 est dedans. Donc ça veut dire que ben, je n'ai pas d'ensemble. Mon ensemble, il est creux. En gros, si c'est l'ensemble vide, donc ben, si je dessine ça, donc j'ai un ensemble d'ensemble, qui est l'ensemble qui contient rien, eh bien j'applique la fonction psi bleu à rien, donc je ne l'applique pas. Ben, résultat, j'ai rien ici. Et donc, cette fois, l'application image de l'ensemble vide, c'est bien l'ensemble vide. Et donc, j'ai deux réponses à donner à psi de l'ensemble vide, selon l'interprétation. C'est là où les mathématiciens
sont mal typés et donc ils vont aller à ce qu'ils pensent être le plus probable. En informatique, c'est impensable, c'est un ordinateur qui corrige, il ne fait pas de proba et il va vous dire il y a un problème de typage et de définition. Donc l'informatique est plus typée que les mathématiques. Les mathématiques font appel au bout d'un moment, au bon sens dans l'écriture. Donc voilà, c'était le reste de l'exercice. Après, il était très bien rédigé, il est très joli ce corrigé, je vous le conseille, il est sur le Slack. Et bon courage pour la suite, c'était le petit pot d'abstraction. Bisous à toutes et à la prochaine.